Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui, on va donc parler de Bixby Vision. Bixby Vision, vous le retrouvez sur pas mal de Samsung. Bixby Vision, c'est quoi? C'est une application qui va vous aider pour beaucoup de choses. Samsung a vraiment fait pas mal de choses côté accessibilité pour tous. On va en parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et surtout, bien pensez à mettre un petit like. C'est vraiment super important pour la chaîne. Et si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal réussi côté accessibilité. C'est une application qui va pouvoir numériser, scanner, osériser n'importe quel texte, ton courrier. Tu vas pouvoir par exemple scanner des documents si tu es étudiant et tu as besoin de retirer du texte, te faire lire du texte. Bixby Vision sera là pour toi. Il fera de la traduction, de la reconnaissance de code QR, de la reconnaissance de scène et tout ça, c'est intégré dans ton Samsung. Pour déclencher, deux solutions. Soit tu le trouves côté accessibilité, si tu as un Samsung équipé de Bixby tout court, tu peux lui demander d'ouvrir tout simplement. Ouvrir Bixby Vision. Alors attention, là, tous les Samsung ne sont pas équipés de Bixby tout court. Ok, Bixby, Bixby Vision. Une fois que tu as ouvert Bixby Vision, tu vas pouvoir swiper, soit de gauche à droite ou de droite à gauche, avec deux doigts, et tu vas entendre ceci. Identifiant de l'objet au descripteur de scène. Appuyez sur la touche capturer pour capturer une scène et entendre sa description. Code QR. Shopping. Comme vous avez pu entendre, avec Bixby Vision, on va être capable aussi de faire du shopping à la Google Lens. Plutôt pas mal réussi et c'est vraiment très puissant. Traduire. On pourra faire de la traduction. 20. Et on pourra même faire de la reconnaissance de vin à partir de leur étiquette. Alors, comment se servir de Bixby Vision? Ici, tout simplement, on va ressentir des vibrations. Si je me mets sur le côté lecture, je vais donc prendre une page au hasard. Je vais prendre cette page. Je la pose sur ma table. Et sur mon Bixby Vision, je vais faire glisser deux doigts de la gauche vers la droite pour aller récupérer le côté lecture. Traduire. Découvrir. Shopping. Code QR. Descripteur de scène. Beige clair. Détecteur de couleur. Rose foncé. Beige clair. Rouge foncé. Alors, on aura même un détecteur de couleurs qui est vraiment très efficace depuis la dernière mise à jour. Dites-moi ce que vous pensez d'un tel système gratuit, rendu complètement accessible par Samsung et en plus intégré directement dans votre téléphone. Allez, on part sur... Lecteur de texte. Lecteur de texte. Et ça, ça va te plaire, j'en suis sûr. C'est parti. Donc, je vais mettre mon téléphone au-dessus de cette page. Et lorsque je vais ressentir une petite vibration, je vais pouvoir poser mon téléphone sur la page et le texte me sera lu automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. C'est parti. Je lève. J'ai senti ma petite vibration. Je pose. L'édito Benoît Rosenthal, quartier d'hiver, Eltiver approche à petits pas et vient doucement givrer nos carreaux au petit matin. L'air se fait vif et le bleu du ciel plus dur. Un doux soleil nous enveloppe d'une lumière ouatée, propice aux jolies balades, mais plus encore au cocooning. Bien au chaud, lové dans nos canapés douillets, on aime les décos chaleureuses et les ambiances confortables. Et quand l'hiver est là, Noël n'est jamais loin. C'est alors l'occasion idéale de réinventer notre décoration, le temps des fêtes. On décrypte pour vous toutes les tendances de la déco de Noël, pour une maison qui vous ressemble. On aime le vert dans les Landes, le blanc dans les Alpes, les pastels en Provence, le rouge en Alsace et l'or à Versailles. Côté reportage, les maisons jouent toute la gamme d'une partition chaleureuse et cosy, montagne ou campagne. On va prendre ce genre de texte qui est quand même assez complexe avec des images. C'est parti. Tout simplement, j'ai reposé mon téléphone. Je vais le relever. J'ai senti une petite vibration. Livre. Je peux poser. Ça met un petit peu de temps. Vous patientez. 20 reportages Normandie astérisque 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 tome sur pas. Elle a deux pendoirs chacun un petit au demi niveau. On découvre les trois chambres de MGREN alt coloré. La petite partie de Dean. Les canapés et les fauteuils à nard pour plus la ferme chinem de ses parents et adore parcourir. La reconnaissance est vraiment très puissante et vraiment entièrement gratuite. C'est dedans, c'est à l'intérieur, c'est dans l'accessibilité de ton Samsung. Alors attention, seul petit bémol. Pour une personne aveugle, si vous êtes dans une situation où vous entendez que le texte a été mal reconnu, ce qui veut dire que Bixby Vision n'active pas seul le flash. Si vous sentez que
votre texte est mal reconnu, activez le flash de votre appareil photo, activez la lumière et ça sera vraiment nickel. Côté couleur, regardez ici. Détecteur de couleur. Rose foncé. Rose foncé. On est sur une table rose foncé. Rose foncé. Gris foncé. Gris foncé. Mon pull gris foncé. Violet. Bleu. 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 On est sur une lampe bleue. Bleu. Ok Google. Rose foncé. Lampe 3 en rose rouge. Foncé. J'ai mis ma lampe en rouge, voyons. Noir. Rouge. 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 Ça marche. Ça marche vraiment à merveille. Ça. Descripteur de scène. Appuyez sur la touche capturer pour capturer une scène et entendre sa description. On peut faire la description de scène. Bixby Vision. 0%, un salon avec lustre et canapé. J'ai pris en photo donc mon salon avec le lustre et le canapé et on a bien entendu le résultat. 20. On teste ça sur une bouteille de vin et c'est parti. Tout simplement, vous touchez l'étiquette. Faites glisser deux doigts pour modifier le mode. Et vous mettez votre téléphone devant cette bouteille de vin. Bixby Vision, 20. Ensuite, vous pitchez. Caldas Bourgogne Chardonnay, 10 euros, prix moyen, 3.8. 4. Voilà les amis, je vous montre ici, en gros, sur votre écran, le résultat est vraiment super. On a vraiment la marque du vin avec toutes ses spécificités. Je trouve ça vraiment cool. Alors si vous aussi vous utilisez Bixby, faites-moi un petit retour en section commentaires, ça m'intéresse vraiment. Comment vous l'utilisez? Pourquoi vous l'utilisez? Est-ce que vous aimez les assistants vocaux? Est-ce que vous aimez Bixby Vision? Est-ce que vous aimez Bixby en utilisation quotidienne sur votre téléphone? Ça m'intéresse énormément les amis. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous.